Mercato FC Barcelone, les Blaugrana s'intéressent à une pépite de la MLS. Mais de qui s'agit-il? Découvrez-le dans cette vidéo. Eh bien, salut les footés, bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas, si on est un véritable passionné du football et du Barça en particulier, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifié en temps réel des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, dans tout groupe, pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux nous sont en description et nous follow. Merci à tous qui le feraient. Et on n'oublie pas notre rendez-vous du lundi au vendredi à 17h. Cette semaine, nous le ferons à partir de mardi, mercredi, jeudi à 15h, vu qu'il y a les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Mais pour les semaines suivantes, lorsqu'il n'y aura pas de Ligue des Champions ou de match à 16h, nous ferons nos vidéos récapitulatives des actualités de la journée à 17h. Question. Connaissez-vous cette pépite de la MLS annoncée du côté du FC Barcelone et pensez-vous que le Barça a encore besoin de saturer sa défense eu égard de la qualité et de la quantité de joueurs défensifs que le Barça a à disposition cette saison? N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question dans la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti! Le Barça a tenté de recruter une pépite de la MLS. Lors de l'intersaison, il devrait revenir à la charge lors du prochain mercato. Explication. Le Barça pourrait aller piocher en MLS. Depuis plusieurs saisons, le championnat américain se structure et progresse. S'il a longtemps servi de maison de retraite pour les stars mondiales en fin de carrière, de plus en plus de jeunes talents font désormais le chemin inverse. Cela devrait notamment être le cas de Julian Araujo. L'international mexicain des Los Angeles Galaxy dispose de nombreux prétendants. Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, le Barça aurait tenté de recruter le défenseur droit lors du dernier mercato estival. Incapable de trouver un accord avec le Los Angeles Galaxy, les Blaugrana devraient revenir à la charge lors des prochains mercato. D'autant que Hector Bellerin, recruté dans les dernières heures du mercato, et Sergio Roberto sont libres à l'issue de la saison prochaine. Pour résumer, le Barça a cherché pendant de longues semaines à recruter un arrière droit. Si Hector Bellerin a rejoint les Blaugrana dans les dernières heures du mercato, ces derniers auraient notamment tenté de recruter Julian Araujo. Le club n'aurait pas lâché l'affaire et compterait les faire arriver lors du prochain mercato d'hiver. Alors que pensez-vous de l'arrivée de Julian Araujo FC Barcelone? Êtes-vous pour ou contre son arrivée? Et pensez-vous qu'il est meilleur que Bellerin et que Sergio Roberto? N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question dans la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous les footés d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être suivi en temps réel des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux nous sont en description et nous follow. Merci à vous tous qui le ferez. Prenez bien soin de vous et à très vite. Pour d'autres actualités football, plus aussi intéressantes sur la chaîne. Ciao.